Et On a un sujet d'un Ivoirien qui a failli se suicider. Alors, ce matin, hier, oui. je me réveille. Oui. On me dit, la Djadja, il y a un problème sur la toile. C'est quel problème ça encore? Oh, question. Il y a un problème Que sur la quoi? toile. Que quoi? Ils disent quoi? Il y a des anus qui s'envolent. Allah, 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 Allah. J'ai dit, parti, Sangana. On peut faire ça. Le club rouge? Le club rouge est en alerte jaune. C'est pas possible. Le club rouge est en alerte jaune. L'affaire grave. L'affaire grave. C'est pas possible. Partagez-moi le direct. On me dit Lolo Beauté. Oui. Tu connais celui qu'on appelle Excel? J'ai dit oui, le jeune comédien là, je le connais très Si, bien. si, si, si. Qui fait rire beaucoup Si, là. si. Souvent, il aime porter de ses lunettes que franchement, je ne sais pas où il achète. Eh? Mais il est le seul, franchement, Avoir le à secret. avoir le secret des lunettes, mais extraterrestres. C'est ça. On dit oui. Il paraît que Excel est à l'hôpital. Comment ça? J'ai dit, mais attendez. C'est un ferrage en même temps. Hein. On l'a frappé ou quoi? J'ai dit, mais qui a tabassé mon Excel? Parce Uh-huh. que vous savez, quand tu es star. Tu vois, les personnes pensent qu'ils vont te trouver dans les coins miteux, puis tomber sur toi, te filmer, puis te tabasser. Par là, pourquoi mon Lolo Beauté, je ne fréquente pas les milieux trop pauvres. Parce Confirmé. que oui, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de Ouh. violence. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Lolo Beauté, va sur ton WhatsApp. Je vais sur mon WhatsApp. Hey! Horace, cet enfant est innocent. Qu'est-ce qui s'est Rue, passé? Le feu dans les poils des gens. Sacrilège. Je vois, m'envoie un trou. Ah Et quel genre de trou? ah! Je dis, mais c'est quoi ça là? Doi. C'est quoi? Partagez-moi le direct. Qu'est-ce qui se passe? Un trou troué. C'est non, 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 pas quand même, un peu de Bon, respect. ben. Un peu de Bon, respect. ben, on sait On jamais. m'envoie un trou. C'est le trou de qui? Je dis, ah, ça là. Voilà le trou, voilà le visage de la personne. Ah! Je dis, ah bon? Incroyable. Il peut y exister des trous comme cela. Qui l'aurait cru? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. On peut faire ça. Allah, Allah, Et Allah, qui m'envoie le trou du troisième siècle, du troisième mandat? Il voit rien, on n'est pas bon, hein. On m'envoyait le trou du troisième mandat. Et du troisième pont. Et du... Non, pas quand même, un peu de respect. Toi, tu as fait la prison même en France. Du troisième mandat. Hein? J'ai dit, on peut être nerveux à ce point-là. C'est pas possible. Mais, c'est quoi ça? Hé! Ce n'est ni des Camerounais, ni Oui. des Congolais, Oui. ni des Centrafricains qui m'envoyaient parler doucement. Parce que où il y a affaire de trou là, l'affaire est grave. C'est profond. C'est les Ivoiriens. Oui. Qui rentre dans mon inbox comme ça, en train de m'envoyer le trou. Pouah, Hier, je n'ai pas pouah. dormi. Quand il y a eu cauchemar, Un pouah, voilà pouah. mes deux mains De du roi 12-12 en l'air. Voilà mes deux mains du roi 12-12 en l'air. Pouah, pouah. Tellement que hier, j'ai vu de ce trou. Hein? Hier, j'ai fait un songe où j'étais garçon avec une grosse queue. Où j'étais en train de. J'ai dit, regardez, vous m'avez donné un Voilà. esprit de nuit. Lolo Voilà. Beauté en rêve est devenu garçon. J'étais en train de mougou une fille. Hein? J'ai dit, monsieur, viens te dire, race! Il y a des photos, faut pas regarder dans ta vie. Parce que ta nuit peut être troublée par un démon. Non, mais un démon violent. Vous Vérité. avez troublé Hein? ma nuit. Voilà mes deux mains du roi 12-12 en l'air. Hier, C'est grave. j'ai fait un songe où j'étais garçon. J'ai dit, hé, la vie là, c'est comme ça. On peut faire Ah ça. bon? Donc j'ai eu un peu peur. Mm-hmm. En même temps, je me suis réveillé, j'ai vérifié, j'ai regardé en même temps. Tout est en J'ai dit, place. ah, mon Kwetu Club est Tout là. est en place, Dieu Mon Kwetu, merci. j'ai eu peur, mon Kwetu Club est Ah. là. Je tiens mon Kwetu là-dedans, mes soeurs. Mon Kwetu l'a fait 5 enfants, mais c'est encore frais. Je tiens ça. Parce que si c'est trop, je verse du citron dans mon con. Ah là. Pour bien serrer ça encore. Donc je tiens ça. C'est... On peut faire ça. Comment ça? Vous savez? Oui. Mes frères, ce que j'avais dit ce matin-là, ça peut vous blesser, ça peut vous choquer, mais ça n'engage que vous. Prenez le bon côté. Ah. Le queen que moi j'ai vu là, Oui.
Est-ce que c'est mon cuir? Non, c'est pas ton cuir. C'est le cuir de quelqu'un. Oui. Mes soeurs, je vous dis la vérité. À chacun son trou, à chacun son cuir. Ah! Vous savez, si Excel a choisi que lui, son goût là, c'est dans son anus là. C'est anus de ton papa ou bien c'est anus de ta maman qu'il a donné aux gens pour mon goût. C'est son goût à lui. C'est lui. Il a fouillé dans le trou des femmes. Oui. Il n'a pas trouvé son plaisir. Uh-huh. Il s'est levé un beau matin. On a chicoté les parois anustulaires. Et il a trouvé son goût là-bas. C'est ton anus qu'il donne aux gens. Il y a goût partout. En fait, je ne comprends pas pourquoi l'homme noir est méchant. Trou, c'est trou. Hein? En fait, c'est pour lui l'on connaît. Uh-huh. J'en connais des personnes qui cachent leur sexualité. Ils sont gays. On les connaît. Et puis ils cachent qu'ils sont gays. On les connaît. Il y a des femmes, elles sont lesbiennes. Mm-hmm. Elles cachent qu'elles sont lesbiennes. Ma soeur. On les connaît. C'est ta relation sexuelle. Tu trouves ton goût là. Il faut aller. Nous ne sommes personne pour juger qui que ce soit. On n'est pas témoin de ça. Je le dis et je le répète. On n'est pas témoin. La personne qui a m'envoyé un cuir. J'ai dit, est-ce que le cuir là c'est pour ton papa? Mm-hmm. J'ai dit le cuir d'Excel là, à cause de vous, il va aller se suicider. Pourquoi? Et est-ce que c'est le cuir de votre papa qu'il a donné pour qu'on aille mougou? Uh-huh. C'est pas son cuir. Ah. C'est pas son anus. C'est lui qui sent la douleur. C'est pas, il sent pas douleur, il sent plaisir. Parce qu'on dit, c'est là où il y a ton plaisir où tu t'en vas. Vous les femmes là, combien de sperme ont trimballé dans votre chatte là-bas? Le goût de chatte. Vous allez vous lever. Le goût. Vous-même, les femmes là, vous êtes aussi des pédéliastes. Parce que j'en connais beaucoup de femmes où leurs maris les prennent par leur anus. Ah, le c'est sondomie. Parce qu'il y a goût là-bas que ton mari, tu ouvres tes poils là. Mm-hmm. Et puis lui, il regarde ton con. Hein. Mm-hmm. Il laisse ton con. Hein. Oui. Et puis il sent dans ton anus. Sondomisez-moi ça. Qui n'a jamais péché lance la première pierre. Eh oui. Vous qui êtes versés sur mon Facebook ici, vous les femmes, mm-hmm. j'en connais plus qu'on les prenne, on les prend par leur anus. Pas derrière. Donc toi, et puis Excel là, où est la différence? Trou, c'est trou. En fait, où est la différence? Le trou, c'est le trou. C'est-à-dire quand les gens ont leur problème là. Oui. Toi, ton problème ne te suffit pas. Hein. Tu vas aller charger problème d'excès pour dire que non, aujourd'hui on a découvert, voilà ce qu'il fait. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont frappé à Oko hier. Anusculaire. Oui. Il y a beaucoup qui ont frappé. Mettez, je suis excès. Arrêtez un peu. C'est le cuir de vos grands-pères qui donne pourquoi on mougou. Anus, anus. Mais arrêtez un peu. Arrêtez là. C'est quoi ce bordel là? C'est son choix là. Vous-même, vous êtes remplis de péché. De quoi? Oui, diva de Paris. Nous-mêmes là, on est remplis de péché. Oui. On voit pas notre vie qui est pourrie, qui est en putréfaction là. C'est la vie d'autres personnes là. On prend et puis on charge. Ah. Non, celle-là, pourquoi elle est lesbienne? Uh-huh. Non, celui-là, pourquoi il donne son anus? Non, celle-là, pourquoi elle est ceci? Mon soeur. C'est parce qu'ils ont trouvé leur goût là-bas. Goût d'un que goût. C'est à cause de ça, ils font ça bien. C'est parce qu'en quelque sorte, les hommes ont raté leur vocation. Eh. Quand il y a des femmes qui sont se prendre entre les femmes. C'est parce qu'il y a des femmes qui ont raté leur vocation. Quand il y a des garçons qui regardent femmes et puis laissent femmes pour aller prendre un garçon, vous allez parler à qui? Chacun a son péché. Chacun a son goût. Chacun a son goût. Chacun a ses vices. Chacun a ses vices. Oui. Chacun a son problème. Mmh. Toi-même qui me regardes là, quand ton mari verse le lubrifiant dans ton anus et puis il rentre là-bas là. Donc ton mari là aussi là, il faut lui dire, ton gars qui te prend par ton anus là, mm-hmm. il faut lui dire que lui aussi il est dans le club à cuit côté. C'est cuit, cuit c'est cuit. Dis à ton mari qui te supplie la nuit, bébé, ouvre ton trou. Il laisse tes poils là. Et puis c'est dans l'anus où tu fais caca là, il te dit que lui il veut prendre là-bas là. Et puis tu dis oui bébé, faut prendre. Le goût que tu ressens là-bas là, c'est ce que Excel aussi, il ressent. Anus et anus. On peut faire ça. Il n'y a pas de anus. Oh le monde, on parle de troisième mandat. On dit c'est troisième anus. Il y a quoi même? Vous les Ivoiriens, il y a quoi? Vous allez charger à faire la discorde. On dit c'est troisième anus. Il y a quoi même? Vous les Ivoiriens, il y a quoi? Vous allez charger à faire la discorde. Le jeune est allé prendre, comment on appelle ça? Excel. Il ne faut pas m'énerver. Faut assumer. Tu n'es pas en Afrique. Ah. Faut pas m'énerver. Ah. C'est faut ça. Pas m'énerver.
C'est ça. Regardez-moi celui-là aussi. Les gens parlaient un peu seulement. Toi, tu t'en prends Javel. Quand tu as te tuer à cause de qui? Oui, à cause des animaux qui sont en train de parler de toi là. Eux-mêmes, leur vie est parfaite. Ah, c'est ça. Leur vie là est parfaite. Assumé. Et puis, ils vont venir parler de ta vie. Qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Bien à excès. Qui n'a jamais péché, lance la première pierre à excès. Il y a quoi? On se lève ici, celui-là est pédé. On se lève ici, celle-là est ceci, foutez-le la paix. C'est parce que vous avez raté votre vocation de mougou. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui te regardent, toi femme, et puis ça en prend garçon. C'est le monde. Il y a quoi? On ne peut pas respirer. Chacun a son monde. Il y a quoi? On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer dans ce pays-là. Ah. C'est le seul. Il y a des personnes qui ont des millions. Ils ont femmes qui vivent avec eux. Ils ont enfants. Mais ils ont maîtresse garçon. Hey, ils ont enfants aussi, il faut mettre. Ils ont enfants, oui. Ils ont tout. Mais ils sont cherchés anus de garçon. Mais le cul. Posez-vous cuit, la question. C'est qu'il y a beaucoup de goût dans ce trou-là. Ah. Je ne suis pas là pour encourager quelqu'un à aller donner non. son anus, ou bien à être gay, ou bien à être lesbienne, ou bien quoi que ce soit. En mais je vous dis. En aucun cas. Qu'on est au 21e siècle. Oui. Nous sommes chacun libre d'avoir son plaisir sexuel, d'avoir son côté. Ah. On en a, ce n'est pas un remix, c'est ma gueule. Mais on n'en a rien à embrouiller. Mais éperdument de la vie de tout un chacun. Vous n'en avez pas assez de votre merdique de vie là. Partagez-moi le direct. On se lève ici. Vous voulez fouiller dans le cul des gens, pourquoi? Lui-là même, la façon on ne le voit pas, une femme là, est-ce que ce n'est pas un gay? Et celle-là même là, façon on ne la voit pas avec un homme là, est-ce qu'elle n'est pas ceci? C'est son corps, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est ton trou. En fait, moi je ne comprends pas le noir quoi. Vraiment? On ne t'a pas dit qu'il faut me prêter ton anus, j'y allais faire quelque chose. Et puis c'est toi qui as chargé à faire les jusqu'à on ne peut pas respirer. C'est ton bagage. Quand je me fais mal, hier même j'ai rêvé que j'étais un garçon. Horace! Fin de votre vie profanée là. Ça veut dire, on peut faire ça? Non. C'est quoi ça là? L'enfant là, vous êtes des criminels. Vous qui n'aimez pas les gays, vous qui n'aimez que chacun reste dans sa classe sociale, dans son rang sexuel. Là où tu te sens à l'aise. Là où tu te sens à l'aise là, mon soeur, tu n'es pas Dieu pour juger. C'est-à-dire, nous, l'Afrique, on aime tellement juger, alors que notre vie même est profanée. Ah. On est les premiers à juger. On a vu ici un garçon qui est allé sur la page d'un autre garçon pour le traiter de gay. Alors que même là, ce jeune a même dragué même la personne. Le monsieur a fait sortir la capture d'écran, le voilà. C'est méchant. Vous les gays là, vous êtes beaucoup, c'est méchant. Pourquoi vous cachez? En fait, vous n'êtes pas des hommes. Mais vous êtes des lâches. On ne peut pas respirer. Toi-même, ta vie là, ton péché. Vous pensez qu'il est arrivé chez Dieu là, il y a petit péché, il y a grand péché. C'est vous qui savez qui va rentrer au paradis. C'est vous qui savez qui ne va pas rentrer. Partagez-moi le direct. Partagez. Je convoque tous les gays, tous les lesbiennes là ici. Ah. C'est en ce moment précis, vous devez venir faire le vrai combat. Oui. Vous ne devez pas attendre Lolo Beauté. Venez faire le vrai combat. L'émancipation du cuit-cuit. Il y a quoi? On ne peut pas respirer. Oui. On ne peut pas respirer. Celui-là est ceci. Pourtant, toi-même, ton mari prend ton anus. Donc, toi, tu es quoi? Femme qu'on prend son devant et puis on prend son derrière. Et bon, elle est le quoi? Donnez-moi son nom. Double cuit. Toi, tu es quoi? Je ne cautionne pas aucun acte sexuel. Mais je dis et je le répète, oui. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Double frappe. Quand la personne a marche là, il dit viens prêter, viens me prêter ton corps, je vais marcher avec ça. Mais arrivez à un moment donné là, mais arrêtez, occupez-vous de votre vie. Vous n'arrivez même pas à manger. C'est vous qui chargez la vie de d'autres personnes. Le jeune va décéder demain là. Si il décède là, vous allez dire quoi? Rip. Pourtant, c'est vous qui vous moquez on de lui. En fait, conscience. Lui au moins, il est gay. Mais vous êtes des criminels. Oui. Lui au moins, il est gay. Il n'a jamais tué quelqu'un. Mais vous qui l'enfoncez, qui le condamnez, qui le jugez, vous êtes des criminels. Ça va rester sur votre conscience. C'est vous les criminels. En fait, changez. Vous pouvez tuer l'homme. Changez un peu. Si ce qu'il fait là, ça ne vous plaît pas, mais rentrez en prière, en jeûne prière. Oui. Vous l'aimez tellement que vous ne voulez pas qu'il soit gay, ou bien vous n'aimez pas que tel soit. Mais rentrez en jeûne prière. Il peut et puis changer. Priez pour lui. On sait jamais. Quand ça croupit, que position de grenouille là, qu'est-ce
C'est-à-dire que tout ce qui est donné par le derrière est doux, non? Foutez-lui la paix. Doi, doi. Foutez-lui la paix. Arrivé à un moment donné, là, il faut avoir, faut te concentrer sur ton objectif. Faut te concentrer sur toi-même, ta vie. Ah. Au lieu d'aller chercher l'anus de ton frère. Toi-même, ton anus est là, non? Tu as fini de te purger. Enlever tout le foutoir que je vois dans ton gros anus qui est là-bas. Là. C'est l'anus d'Excel, vous allez le voûter. C'est la même chose que vous avez fait avec les artistes, tout boys. Comment on les appelle là-même? Tout boys. Tout boys, ils sont quoi? Vous avez allez fouiller aussi dans les caleçons. Regardez-moi des pervers comme cela. Oui, les two boys là, on sait pas qui ils sont. Hein? José là même là, elle a marché les two boys. Uh-huh. Bon, Excel allait danser dans sa chanson. Uh-huh. Bon, elle aussi même là. Hey, fermez donc, vos gueules. Inspecteur Colombo. Fermez vos gueules. Allez-y travailler. Allons travailler. Le petit problème du jeune où il trouve son petit plaisir là, ça a quoi avoir jusqu'à aller déplacer avec tous ceux qu'il a marché. Il vit des rôles. Ah, on prend ici, on sort ici. Oh, le goût de cuital. Il y a quoi? Ah. Il y a quoi? Ivoirien, youbi you. Youbi, youbi you. Youbi you. Mm-hmm. N'était ce calor. Regardez-moi bien, n'était ce calor. Où vous pensez que j'ai parti là? Il n'y avait pas là-bas. Uh-huh. Je ne vais pas là-bas. Vous-même, vous êtes rempli de péchés. Vous êtes rempli de quoi que ce soit. Mais c'est vous qui aimez juger la vie des gens. Vous fouillez comme cela. Hein? On a vu, on a vu, on a vu. On est au courant. Vous êtes au courant et puis.